Tout simplement, je vous emmène une journée avec moi pour vous montrer mon quotidien, les moments de vie, etc. Là, on est vendredi 7 juin et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je me suis levée à 8h30, j'ai très mal dormi à cause d'Adam, again. Et j'ai fait un petit peu d'orga parce que si vous avez vu la précédente vidéo, vous savez que actuellement j'ai une stagiaire, Lola, et du coup, quand elle ne vient pas ici qu'elle est à distance, bah, je dois être quand même toujours là pour la missionner, pour lui transmettre sa to-do, pour lui expliquer, pour qu'on discute sur plein de choses, pour répondre à ses questionnements. Ce matin, je me suis posée pendant genre une demi-heure pour lui organiser toute sa journée. Et on est parti. Je suis allée que deux fois pour l'instant cette semaine, ça va être la troisième et la dernière séance de biceps. Et c'est parti, go! J'ai trouvé la routine, le B.A.B.A. parfait pour cet été. Minimaliste, mais avec un sérum qui change tout. C'est un concentré bronzant. J'entends beaucoup parler en ce moment sur les réseaux, mais c'est trop bien. Je vous partage ma nouvelle routine de chez Typology. Je suis trop contente de retravailler avec eux. Ça fait bientôt 2 ans que j'utilise les produits chez eux. Je vous présente plus, mais Typology, c'est une marque où les produits sont pensés et fabriqués en France. C'est cruelty free. Il y a au moins 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et là, je vous partage ma nouvelle routine de l'été, très minimaliste, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Je commence ma routine, je vous montre pas, mais c'est dans la douche avec ce gommage. C'est un gommage corps, donc c'est parfait pour entretenir sa peau avant et après le soleil. Je le fais une fois par semaine et c'est top. D'ailleurs, c'est ce produit qui vous est offert dans l'offre d'aujourd'hui à partir de 45€ d'achat. Et ça, du coup, c'est le combo parfait. C'est la crème hydratante, 9 ingrédients. C'est la troisième que j'ai tellement, elle est trop bien. Et en fait, on le mélange avec ce concentré bronzant. Il n'y a pas d'actif auto-bronzant, c'est juste naturel. Et ce qui est bien, c'est que vous avez un teint allé, bronzé, sans bah, les effets néfastes des UV en s'exposant au soleil. Donc ça, c'est parfait. Et du coup, c'est à base de vitamine 2 et d'extrait d'abricot. C'est pour ça. Et ça, je l'ai acheté, je crois, pour la première fois il y a 4 ans. C'est le sérum teinté de chez Typology. En fait, c'est un soin, mais couvrant. Du coup, il y a différentes couleurs. Moi, c'est type 2 pour ma peau. Ça, vous avez quand même un fini léger et naturel, mais vous couvrez un petit peu les imperfections de votre peau. Il y a de la vitamine C pour l'éclat et de l'aloe vera pour l'hydratation. Et pour terminer ma routine, ça aussi, j'utilise depuis très longtemps. Et je vous l'ai montré au début, c'est les huiles à lèvres. J'essaie de toutes les couleurs, mais celle-là, je pense que c'est la couleur qui me fait le plus naturel sur mes lèvres, vu que c'est la couleur de mes lèvres. C'est le rose poudré, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont acheté grâce à moi Typology, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours dessus. Du coup, n'hésitez pas à profiter de l'offre en cours avec le gommage pour le corps offert dès 45€ d'achat. Il faut surtout passer par l'un de mes liens. L'offre est valable qu'une semaine, donc ne tardez pas. En tout cas, moi je vais commencer ma journée de travail une fois que j'ai fait ma skincare. Moi, c'est bon, je peux débuter, c'est cool. Take over my head. I'm looking through my anxious mind for something. Do you know how hard it is for me to cave in? That kind of love that I keep fighting for no reason. I feel like lately I've been feeling hazy.
J'ai été faire quelques courses sur le retour. Des œufs, du pain, des blancs de dinde, 1, 2, 3 bouteilles d'avoine, du skyr, du chèvre tartiné, des bananes, du Pepsi Max. Et j'en ai eu pour 25 euros, ça me paraît énorme. Hein. Après, je les ai fait au petit Carrefour du coin parce que j'avais la chaîne d'aller au grand, mais bon. D'ailleurs, là, ça fait genre un mois que je fais HelloFresh. Bah, j'aime beaucoup ça. Grave, j'ai apprendre la cuisine et tout. Juste là, j'ai arrêté, enfin, c'est ma dernière semaine parce qu'en vrai, ça coûte quand même plus cher que faire les courses normales et j'ai envie de reprendre mes propres recettes aussi. Faudrait que je me fasse une boîte à 924 parce que bon, j'ai acheté ces œufs en boîte à chaque fois. Là, je vais faire des sandwichs pour moi ce midi parce qu'il est déjà 14h30, j'ai pas mangé, j'ai même pas déjeuné, j'ai faim. Et je vais aussi préparer les sandwichs pour demain parce que demain j'ai un pop-up avec 924 et Lola m'accompagne, donc Lola ma stagiaire. Du coup, je lui ai dit que j'allais faire son petit sandwich. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de sandwich. Attendez, j'ai réfléchi. Hein. En fait, je les ai tout paquet quoi. C'est tous les capuchons. Bon, on est pas sur la grande gastronomie, hein, clairement. Bonne dose de chèvre. J'ai l'impression d'être une maman qui prépare le pique-nique à ses enfants. J'ai pas pris de petit-déj, mais demain, comme on y est de 9h et moi 19h, Lola part plus tôt parce que je vais pas lui prendre son samedi de 8h à 20h. Je vais avoir plus de toutes les finales. Ça ressemble à n'importe quoi, mes sandwichs. Les sandwichs, genre pâtes que je faisais avant, c'était pain de mie comme ça avec de la mayonnaise sur les deux côtés en guise de sauce, des tranches de jambon et du gruyère. Et c'est tellement bon. Mon repas du midi, lol, il est 14h14. C'est frustrant parce que, en fait, moi je vais à la salle le matin. Mais en fait, avec Lola, comme elle est entêtée certains jours par semaine, elle organise un peu comme elle veut ses journées. Je lui dis, toi, c'est des tout doux, c'est pas des horaires, donc c'est ça. De rester bosser jusqu'à 17h30 si t'as fini à 15h, tu t'organises comme tu veux. Du coup, tous les matins, j'envoie des tout doux. En fait, Lola se lève très tôt. Du coup, elle travaille très tôt avant l'heure où de base on travaille en présentiel. Et donc dès que je me lève, en fait, j'envoie la to-do que j'ai écrit la veille. Sauf que... Enfin, il n'y a pas de sauf que, c'est que juste, elle travaille le matin, mais moi, le matin, justement, je prends plus de temps pour m'occuper de l'appart, d'aller à la salle, etc. Et moi, je préfère travailler l'après-midi, soirée. D'un côté, on se complète, mais comme je suis, logiquement, tutrice de stage, dès qu'elle a des questions et trucs, faut que je l'accompagne, et ma distance, faut que je l'accompagne surtout. En fait, à chaque fois que j'entre de la salle, je m'assois dans mon café pour, du coup, voir avec elle des trucs, et je reste jusque 14h30, je ne vois pas le temps passer. Pendant 2 heures, en fait, je suis en train d'organiser des trucs, et je suis tellement prise dedans que je vois pas le temps passer. Un peu fade hein, quand même mon sandwich. Je continue de m'organiser en mangeant. Là je suis sur mes putains d'affiches pour demain pour le pop-up. J'arrive pas à être satisfaite de ma fiche Signastro. J'ai montré, j'ai reçu des petits colis pour le pop-up. J'étais tellement mal organisée. J'ai pas l'impression que c'est genre demain. Ça je suis très contente parce que ça fait vraiment des mois que je vais en acheter un, mais bon, c'est quand même un petit investissement. Après là ça va, il coûtait pas trop cher mon jour. Le bien c'est que des cartons comme ça je peux les utiliser pour Vinted. Ça j'ai commandé ça. C'est pour mettre les prix. Pour que ça fasse un minimum quali quoi. Donc cet après-midi je vais faire les étiquettes pour les prix. Waouh, c'est trop stylé. Là, ça, c'est un terminal de paiement, c'est un petit... J'ai déjà en fait l'application Summer parce que en fait c'est trop bien. Ça permet de, voilà, de payer par carte sans avoir de terminal. Et comme au début on faisait pas énormément de pop-up et qu'on n'arrivait toujours pas à être en bénéfice, donc c'était hyper compliqué, on n'avait pas encore investi. Mais là, c'est vrai que en vrai, c'est quand même beaucoup mieux. Même si maintenant, je sais pas si vous le savez, mais par exemple avec SumUp, vous pouvez faire tap to pay, c'est-à-dire que je te mets le montant, je te tends mon téléphone, tu le poses dessus, ça paye avec Apple Pay. Ça. Ah, ça c'est mignon. 16h30 déjà, ça fait environ un peu plus d'une heure que je suis en train déjà de faire la prod. En gros, là, je fais la prod des commandes, mais aussi des colis influence. On a démarché pas mal d'influenceurs, on a eu pas mal de réponses positives pour du gift. Donc là, je vais faire une dizaine de commandes. Je suis contente parce qu'on a de gros influx qui ont accepté. Genre, on a genre Noémie Makeup Touch, on a Jenna, enfin, on a pas mal de gros influx. Après, à voir s'ils vont faire des stories ou non. C'est le jeu parce qu'en gros, c'est comme des envois presse, ça c'est du gift. Ils en parlent s'ils veulent, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Mais j'espère qu'ils en parleront. Genre s'ils en parlent, ce sera un peu ouf, parce qu'il y en a, ils ont des communes énormes et aussi super engagés, donc bon. Regardez, Jenna a choisi du jaune.
J'ai tout un coffre en jaune, c'est trop beau. La couleur est vraiment trop jolie. Pour l'été, c'est parfait. En plus, ma pâte, elle est belle. Genre, y'a pas un pet de... Je suis colère parce qu'en fait... Attends, mes cheveux ça pue. Parce que on est vendredi et en gros je vais sortir une vidéo déjà mercredi, un weekly vlog, qui était en collab avec une marque. Sauf que en plus je l'ai envoyé à temps, je l'ai envoyé mardi à la première heure, donc ils avaient jusque le lendemain 18h pour me valider ou me faire des recours. Je n'ai pas une nouvelle, j'ai un silence radio. On a relancé, ils sont là en mode « on est un peu perdu » parce qu'en fait c'est une marque américaine, du coup les échanges sont en anglais. Sauf qu'ils ne comprennent pas le français, donc logiquement ils ne comprennent pas ce que je dis dans la vidéo. Ils étaient « ah oui, on est un petit peu confus, on comprend pas trop ce que Clara dit, lol ». Ce matin, j'ai dû prendre un temps de fou pour réécrire tout le script que j'ai dit dans ma vidéo au mot exact, pour ensuite le faire en anglais. Et du coup qui valide. On est vendredi, là on part en week-end, on n'avons toujours aucune réponse. Alors du coup je me suis dit c'est pas grave, elle va pas sortir mercredi, elle va sortir dimanche, mais elle ne peut même pas sortir dimanche parce qu'elle est pas validée pour dimanche. Ça me rend fou, ça me rend fou, je vous jure que ça m'énerve. Ça c'est les backstage de l'influence. Non mais je suis rouge écarlate. Avant de partir je vais démouler mes petites pièces. Ça va être beau lui. Wow. Ils sont beaux. Je m'améliore tellement en prod. Bien heureusement, apprécie-moi. Le petit bougeoir, je vois, je vends vraiment très peu de bougeoirs. Je sais pas si c'est la forme ou ma com qui a chié dessus. Oh, Chanel, mais ça va. Ça, c'est toujours compliqué à démouler. I'm ready, j'y vais, je sors, il est 17h30. Mon dieu, faut que je me dépêche, la fermer. Outfit, full black. Bon, j'ai essayé la couleur, mais j'aime bien aussi le full black. Pantalon, il vient de chez CA, il est trop bien, trop agréable. Mes campus, j'aimerais... Adam! J'aimerais craquer, j'ai déjà les verts, mais j'aimerais trop craquer aussi pour les rouges en ce moment. J'ai une passion rouge, je dis go! Petit blazer, Free Pierre Cardin, vinted, sans Zara. Regardez mon nouveau tag de chez Pauline, il est trop beau. Je vais te mettre en main. Here we go. Je pense que je vais... Alors là, je vais aller chez l'imprimeur pour imprimer mes affiches que j'ai fait ce midi pour mes 64. Putain, j'ai pas imprimé les prix. Et après, je vais me balader pour faire du shopping. Enfin, du shopping. Genre me balader dans les boutiques, dans l'île, faire du lèche-vitrine. J'aimerais bien prendre une petite boisson, genre un bubble tea ou quoi, ça fait super long. Je crois que Mathilde, elle en peut plus là. C'est en train de me parler de la marque qui va pas valider là. Je vais câbler, toujours pas de news. Cette fois a pris une autre tournure. Il est minuit passé, je suis KO. Et en fait, je vous explique que je débarque devant Copytop. C'était fermé. Fermeture exceptionnelle ce vendredi à 16h30. J'étais, comment je fais? Genre vraiment, j'étais dans tous mes états. Il n'y avait pas d'imprimerie ouverte et tout. J'étais, vraiment, je suis partie au Grand Carrefour pour aller acheter du papier photo et des cartouches d'encre. Et ça m'a coûté 40€ au total. Et après, je me suis baladée un petit peu dans les boutiques et j'ai. En plus, je vous disais quoi tout à l'heure, j'avais trop envie de m'acheter une paire de campus rouge. Bon, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que je cherche sur Vinted et tout. Et là, je suis passée devant JD Sport. Et j'ai vu la paire. Et là, le bonhomme m'a dit oui, il y a votre taille, j'étais. Oh my god! J'habite un petit peu avec les campus, mais bon, j'aime tellement cette paire, elle est tellement confort. Et ça change de fou de la couleur. Maintenant, j'ai les verts, les noirs et les rouges. Et croyez-moi que ma collection ne va pas s'arrêter ici. Une fois que j'aurai remboursé tout cet argent investi dans ces chaussures. Et voilà, je me baladais là, date improvisée. Je suis partie au resto, j'étais chez IT. Après on a été au cinéma. Et puis ils voulaient voir un film d'horreur et tout, j'étais
Je déteste les films d'horreur et tout. Genre vraiment, ça me rend mal à un point. Juste les bandes annonces, c'est trop pour moi. J'étais non, vraiment pas. Et en fait, on a été voir le film de Artus, un petit truc en plus. J'avais entendu énormément de retours hyper positifs dessus. Je vais pas forcément aller le voir parce que je vais jamais au cinéma. Et là, on y a été. Et pourtant, de base, j'aime pas les films français et tout. Mais ce film était genre vraiment bien. C'est passé super vite. C'était un beau film, bien réalisé. Surtout quand on connaît backstage que les acteurs n'ont pas joué un rôle, c'est vraiment eux, leur vie, et c'est Artus qui s'est adapté justement à la personnalité de chacun. Et voilà, et en fait, bah ça c'est fini d'art. En fait, on a pris des bonbons au ciné. Mon dieu, on a pris 500, vous savez, les boîtes de 500 grammes de bonbons. J'ai plus de bidou, hein. Moi je vous le dis, je n'ai plus de bidou. Bah, je me retrouve à minuit. Et en fait, je devais faire plein de trucs pour demain pour le pop-up. Donc demain, je me lève à 6h. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les amis, tout basique. Vous emmenez un petit peu dans le rush. Voilà, les imprévus, etc. Moi, en tout cas, j'ai passé une très bonne journée. N'hésitez pas à faire un tour, du coup, sur le site de 924 pour voir ce qui va se faire, les prochaines collections. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire aussi avec Lola. Donc, n'hésitez pas, du coup, à suivre le compte Instagram, vu que c'est maintenant Lola qui gère tout ça. La stratégie de com. Et n'hésitez pas du coup à faire un petit tour sur le site de Typo si vous voulez, votre petite routine. Puis moi les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.